Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmi Sakma pour la Kai. En fait, nous portons pour update sur une grosse tension, lundi grosse tension, mais une véritable tension qui éclatait entre pays la Chine et India. En fait, c'est on a dit son bataille pour terre, vraiment, son bataille pour et morceau terre qui gagne sous frontière. Il y a une dispute qui a longtemps, mais qui dernier jour ça a dégénéré. En fait, qui ça a donné à yo parler, tendez bien, gagne à peu près il y a à peu près 20 soldats indiens qui perdent la vie dans la bataille ça qui fait, OK, et tu as à peu près 40 bon côté la Chine justement qui mourit. Mais ça vous comprendre que tous les pays ça ont un pouvoir de force nucléaire, ils n'ont pas qu'à vraiment entrer dans une guerre qui est vraiment catastrophique parce que tous les deux gagnent capacité nucléaire, non confrontation sous frontière là, jeudi lundi à update yo. Mais la vérité c'est que et India pas tarmé justement avancer sur route ça. Deux autorités ou fonction qui j'ai capable diminuer tension. Mais dans qui ça passé pour comprendre bien histoire, c'est que et à la vérité bataille ça a pété. C'est pendant que il y a des troupes de indiens qui t'a vérifié que est-ce que la Chine, j'en te promets, li te fait recul sur une partie dans le territoire indien qu'elle était occupé. Est-ce qu'effectivement il te fait recul? Il se trouve que au cours de patrouille ça qui t'a fait là, et bien t'es venu on rencontre entre deux forces et que la Chine t'a fait comprendre que et bien soldats indiens ça t'a franchi espace là, donc on t'es venu gagner à peu près 300 patrouilles de la Chine qui viennent rencontrer avec à peu près une cinquantaine de l'Inde. Maintenant ça vous ne comprenez pas cause ça. C'est que tu as un accord qui dit dans la zone frontalière, ça, balle pas qu'à péter. Balle pas qu'à péter, même lorsque il y a un affrontement. Et que tous les deux entendent sous ça pour ne pas tirer un pétard. Mais ils bataille. Ça veut dire bataille là qui j'entends, son bataille avec main. Main, couteau. En fait, il y a des images là, je ne vais pas montrer. Nous, nous avons utilisé ça dans les. Ça m'a regardé là. Yon bout de bois qui yon pile clou la donne la lance non parce que comprendre bien c'est que yon d'accord pour yon pas péter balle, mais et ça pas empêché que yon utiliser de série des outils n'a dit mutiler, ça veut dire gende et 20 indiens n'a dit vraiment mutiler raché parce que ça m'a regardé c'est yon bout de bois qui charge yon pile clou la donne, vous comprenez, frapper yo donc yon raché nèg yo. Donc, près de 20 soldats indiens, nous bien d'où qui mutilent, rachés, miette en miette. Après ça, ils roulent, ils jeté. Bien entendu, et la Chine, généralement, pas jamais dire exactement combien pète il fait. Ok? Il pas clair combien il y a, mais la Chine reconnaît, il dit qu'il y a un monde victime tout. Indien ou ta déclaré que yo même gagne près le double, gagne à peu près si yo même yo reconnaît gagne 20 là-dedans yo qui mouri, mais du côté la Chine, ta gagne n'importe 43 qui yo touye. Mais nous voulons préciser pour tout le monde qui attendait nous, pas gagne on pétac te tiré. Deux camps yo respecté traité ça qui interdit pour balle tirer à quelque distance de zone frontalière là. Mais yo pété bataille normalement avec main, avec bout de bois, ok? Et que qui fait tout dégâts ça. Maintenant, jeudi, qui c'est lundi, yo commence à faire funérailles du côté des Indiens, de soldats ça yo, qui mourir pendant événement malheureux ça. Mais ça ne veut dire pour tout le monde, c'est que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, justement, yo pas tablé pour bagay là et escalette, comment pour bagay là pour l'autre niveau, parce que me vrai dire que tous les dégâts force nucléaire. Et comme nous même du côté de la Chine, il n'y a pas aimé que l'Inde a viré de Bali net pour aller joindre les Américains. Parce que ces derniers jours, relation pas de film, pas de si mal que ça. Mais toujours est-il que tension sous des trois bouts de terre qui séparent, c'est toujours un problème. Parce que chaque abdi, ben tel batik pour eux, chaque abdi, ben tel batik pour eux. Donc, tu toujours gagné une bataille pour ça. Et à tel point que une zone ça, troupes de l'Inde, troupes de la Chine, toujours à inspecter chacun dans le payo. Ok? Et Pompeo réagit, il a accusé la Chine, il dit que c'est la Chine qui a créé problème sous frontière avec l'Inde. Et mais pas dire que la Chine a voulu gérer ça pour être capable de garder l'Inde comme un allié pour que les États-Unis pas utiliser ça comme prétexte. Parce que lorsqu'il y a un monde qui sous frontière, c'est travail les États-Unis lorsque il y a des adversaires, même j'en le fais là avec la Russie, lorsque par exemple on prend une zone tant que zone qui close avec la Russie côté que yo considéré comme allié, et c'est travail ça que le fait tout avec l'Inde. Donc la Chine pas tarmé yon cause comme ça fait. Donc normalement on a parlé là, gagné de sérieuses pour parler entre les deux autorités pour que yo calmer tension qui chaud dans moment là. Et nous voulons rappeler que c'est depuis 1962 qui te gagné bataille, une guerre territoriale entre deux pays ça yo. Depuis lors, bagaille un petit gens calm down. Mais ces derniers jours, ça qui fait différence, c'est surtout avec président de l'Inde qui justement a fait des séries de gros projets sous frontière là, notamment 33 ponts qui traversaient de gros rivières. Comme nous prenons ça, prend n'importe 19 ans pour construire, qui baille pays l'Inde habilité pour lui déplacer troupes lio avec justement beaucoup plus de rapidité dans zone frontalière là, notamment tout près Aksai Chin et Karakoram. 21 octobre là, qui s'est passé là, ministre de la Défense là, t'es inauguré un gros bridge qui un gros pont qui rend complètement capable d'opérer même au niveau de sommet qui traverse les rivières. La Chine te wè route sa yo comme une menace qui vraiment réduit sa ndarele asymétrie qui gagne entre deux pays sa yo. Donc qui vient fait que gon sorte de jalousie dans bagay sa yo. Et donc nous voulons parler de Modi qui a gouverné l'Inde, qui a gagné des gros projets que l'a fait. Donc qui vient faire de nouvelles tensions frontalières apparaître dans moment là. Nous voulons rappeler par exemple entre mai avec juin, ça n'a pas le dernier bail qui se passe là. Militaires chinois ont été saisis à peu près 40 square miles de territoire indien. La donne gagne zone ça qui c'est une Galwan River Valley. OK? Et maintenant, yo te choisi fait pour parler, pour te capable d'escaler. Tension te commence à monter à cause de bail ça yo. Maintenant, la Chine te d'accord pour lui justement quitter position ça. On a dit que le te volé a. Ou dit pour le retirer col. Pour nous expliquer bien bail là. Maintenant, ça qui passe, puisque la Chine dit la retirer col, n'a pas le 26 juin, eh bien, 15 juin, gagne de soldats indiens patrol pour vérifier, caler pour le vérifier. Est-ce que tout bon vrai? Soldats indiens et chinois ça yo. Jean te dit que y a quitté zone ça que yo te prend en otage qui pas pour yo. Est-ce que yo te fait ça? Maintenant, Indien, les alpatro la vérifié, yo confirmé que Chinois yo vraiment vrai, yo pas respecté parole, yo pas retiré corps yo. Donc c'est au cours de patrol ça qui vient faire que eh bien vient gagner justement yon face à face qui fait entre deux équipes ça yo, qui fait que des Chinois yo touye jandou là à peu près 20 Indiens et ben pile là-dedans yo blessé et gen l'autre yon roulé sous mon nom et la Chine admet que lui même tout li gagne des victimes bien que le pa vle dit combien mais New Delhi l'Inde déclaré au même gain à peu près 40 soldats chinois qui mourent au cours de laisser frapper ça. Tout de suite après bagay ça, deux pays yo mettez d'accord pour yo capable justement ouais qui gens yo capable d'escalader réduire véritable tension ça qui pas justement dans intérêt économique dans quel pays ça yo, puisque li clé pour tous les deux gagnent capacité de force nucléaire et si deux pays gagnent force nucléaire à l'entrée dans guerre c'est tous les deux cap victimes. OK, donc voilà une update sous tension ça qui gagne entre la Chine et l'Inde et les États-Unis t'a battu bravo lui-même si effectivement t'as gon coupé fâché entre deux comme ça t'es capable faire un partenariat justement avec India contre l'intérêt de la Chine. Donc voilà un update dans la zone ça qui est beauté pour vous. Et j'aime toujours dire, toujours été connecté, branché avec nous pour toute dernière information. C'était un plaisir. Portez-nous tout bien.